Salut l'internaute, aujourd'hui je suis à Marseille en plein mois de mars, il fait super chaud, ça change de Genève et même de Nancy. Et je suis en compagnie de Virginie. Salut. Virginie qui fait quelques mois d'études à Marseille. Voilà. Et qui est valaisanne. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie l'art. Elle étudie l'art, c'est une artiste. Et que j'ai rencontré sur le tournage d'une publicité pour un magasin français qui fait des meubles. Voilà, on s'est bien amusé pendant quelques heures à faire les cons. 8 heures, c'était long. Et voilà, l'idée c'était de venir la voir à Marseille, visiter pour la première fois Marseille pour moi. Quelque part pour la première fois pour toi aussi. On a visité une grande visite. Et on va vous faire partager ça dans cette vidéo. Allez, bon visionnage. Salut. C'est ici que nous allons dormir, que je vais dormir. Et super accueil! Je suis très bien accueilli! Bon, petite binouze volée à la personne qui est dans son frigo, mais on lui remboursera. Allez, on prend le large, direction l'archipel du Frioul, situé à peine 30 minutes de bateau du vieux port de Marseille. Frioul, c'était sympa. J'ai bien aimé le côté abandonné, moins le côté pollué. Retour à Marseille pour aller visiter les quartiers autour du Vieux-Port, en commençant par le quartier Faro.
nous expliques ton choix parce que là on comprend pas. C'est ma passion pour les frites. J'adore la frite. Où est-ce qu'on va ? Au panier. C'est l'heure de l'apéro, direction Cours Julien. Allez. Je vais zoomer sur ton cul. Allez, viens. Le cousin. C'est inédit ce genre de situation parce qu'on a pas mal de pays. Là, il y a la Suisse. Il y a l'Allemagne ici. Et la Pologne. Et le Québec. Ouais, un peu trop à jeun pour manger ça. Alors qu'on se dirige vers la friche Belle de Mai pour finir la soirée, on traverse le quartier de la gare Saint-Charles qui se métamorphose une fois la nuit tombée. Là, je suis arrivé à Lumigny, c'est dans les hauteurs de Marseille, dans la forêt carrément. C'est le 9e arrondissement, mais vraiment pas dans la ville en elle-même, mais dans la forêt. Et c'est là que vit mon amie Virginie, mon amie suisse, Valézanne, qui passe quelques mois ici en Erasmus. Je suis naturelle sans rien. Comment c'était la soirée hier, dis donc? Du coup, j'ai dû rentrer chez moi pour me prendre une douche avec mon propre savon et dormir dans mon propre lit, voilà. J'ai dormi 2 heures. Donc voilà, nous sommes à Lumigny. C'est une cité universitaire. Un peu délabrée quand même, hein?
J'en ai aucune idée, je ne connais que cette partie-là. Bah, quand on voit le sol, quand on voit les grillages, quand on voit les panneaux... Non, mais c'est Marseille. À Marseille, il fait pas bon d'être handicapé ou avoir une poussette ou quoi que ce soit, ou être un peu gros, hein, parce que tu passes nulle part sur les trottoirs, les gens se garent partout. C'est incroyable, il y a des bagnoles partout. Mais là, on s'en fout un peu parce qu'on quitte Marseille pour aller à pied visiter les Calanques. Marseille, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir et ça aide vachement. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, bien évidemment, et à celle de Virginie. Je vous dis à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire. Ciao, bisous.